Bonjour et bienvenue en Vendée. Il fait un peu gris, mais je vous emmène quand même à Landevieille. Jeunes agriculteurs y organise son édition 2016 des Terres de Jim. Et je vous propose une visite un petit peu particulière, puisqu'on va la faire en 360 degrés. Et donc vous pourrez pour cela glisser l'image de cette vidéo eh bien dans la direction que vous voulez et quand vous le souhaitez. Vous êtes prêts? C'est parti! Et comme vous le verrez, le soleil va revenir peu à peu tout au long de cette visite pour finir sous un beau ciel bleu. Les Terres de Jim, c'est d'abord un rendez-vous annuel proposé aux citoyens, parents et enfants pour découvrir l'agriculture. 2500 élèves étaient attendus le vendredi, premier jour de l'événement. Avec d'abord une mini-ferme, mais aussi des cultures et du matériel. Mais rien de mieux que de prendre un peu de hauteur. De là-haut, on se rend compte de toute l'étendue du site. Samuel Vandel, c'est quoi l'intérêt pour jeunes agriculteurs d'organiser chaque année un événement en plein air, la plus grande fête agricole d'Europe ? Alors plusieurs objectifs. Le premier déjà, rester au contact de nos citoyens, surtout dans ces moments un peu durs. On traverse énormément de crises. On voit que le citoyen se rapproche de nous. Il faut continuer à communiquer positivement sur notre métier d'agriculteur, expliquer ce que l'on fait clairement. Donc là, partout en France, 90 départements qui font des fêtes départementales. Et ça se termine ici, en Vendée, sur une finale et un événement national. Le deuxième événement, c'est la finale nationale de la bourre qui se passe avec l'ensemble des régions qui nous proposent des candidats qui ont lieu juste derrière. Et donc ce soir on remettra les trophées aux finalistes de la bourre en planche et à plat. Très bien, merci. Les Terres de Jim, c'est d'abord des concours de la bourre, et autant dire qu'en matière de la bourre, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui lâchent les chevaux, les vrais. Allez, je vous invite à faire attention à vos oreilles, on va démarrer les tronçonneuses de compétition. Mais l'épreuve reine se fait avec un tracteur et une charrue Bissoc. Ces concurrents-là prennent leur temps, mais ils rivalisent avec les meilleurs GPS. Alors dis-moi, pourquoi tu fais du concours de la bourre ? Ben, c'est une passion comme une autre. Je fais les concours de la bourre depuis l'âge de 13 ans. En 2003, j'ai débuté. J'aime bien le travail soigné, le travail bien fait. Et on apprend à connaître plein de gens. Quand on fait des concours de labour, on traverse la France, on apprend à connaître des agriculteurs, on a des amis, on échange des contacts, des numéros, quoi. Je suis très pointilleux. C'est pour ça que je fais un peu de concours de labour. J'aime bien que ce soit très précis. C'est pour ça que j'ai toujours un petit problème dans le temps, mais j'aime tellement me prendre que ce soit précis dans mes réglages. Tu penses faire quel résultat là aujourd'hui? On va espérer être sur le podium. Maintenant, une première place, ça serait super. Maintenant, je ne sais pas. L'année dernière, j'étais vice-champion de France, j'étais deuxième. Cette année, on espère la première place. Maintenant, c'était très dur, le sol. Et en dehors des concours, jamais besoin de GPS alors? Non, pour l'instant, pas besoin de GPS. Mes amis disent toujours que c'est très pratique, on est tranquille dans le tracteur, mais bon, après la fierté, quand on roule droit sans GPS, c'est sympa, quoi. Une fierté. C'est une fierté, ouais. Quand on se promène et quand on dit, même chez les clients, quand on sème, on se dit, ça c'est moi qui l'ai semé, c'est droit, quoi, on peut le regarder. Alors les clients disent souvent, ah, mais t'as le GPS. Je dis, non, j'ai pas de GPS, je roule sans. Mais bon. Très bien, merci. Ici en Vendée, il y a une autre façon de labourer la terre. Le Moissebat Cross est un sport local qui attire les foules. Avec ses bricoleurs casse-cou, les moissebattes rouillant au fond du hangar depuis longtemps retrouvent une seconde jeunesse, plus rock'n'roll. Et avant de terminer, revenons une seconde au concours national de la bourre, le vrai.
Notre concurrent alsacien a fait mieux que d'accéder simplement au podium. C'est lui le grand gagnant de l'épreuve à plat. Voilà, cette visite virtuelle des Terres de Jim édition 2016 est terminée. À très bientôt sur terrenet.fr. Un exposant, donc on peut encore venir vous voir hein, parce que la fête n'est pas finie. Et justement, vous avez également sculpté sur bois pendant ces trois jours deux vaches, dont l'une est...